tu joues Sally Legends. Moi, j'ai dit, on n'a plus d'a priori sur la classe Sally. Ça fait deux ans qu'on en parle plus, c'est pas trois. Est-ce que tu trouves que le SRAM est trop cheaté pour le jeu? Ah, il est surtout trop chiant. Non, c'est pas cheaté. Mais c'est nous, notre commu, on s'en fout de tout ce qui est fort, de tout ce qui est faible. Tout ce qu'on focus, c'est tout ce qui est chiant. Bah, c'est une vision des choses qui est propre au multiméta, parce qu'on s'éloigne de la sphère compétitive. Dofus, c'est pas fait pour du compétitif, c'est fait pour du fun. Où on s'éclate, qu'on perde, qu'on gagne les combats. Après, bien sûr, c'est mieux si on gagne. On fait des modes qui vont vers cette direction, en tout cas. Mais non, le SRAM, que ce soit fort ou faible, pousse comme ça, c'est la vie, il y a des rotas, il y a des méta qui tournent, c'est normal. C'est aussi bien pour le jeu qu'il y a des fois des classes qui sortent du lot et qui sont d'un coup plutôt fortes. C'est ce qu'il y a sur tous les jeux. Je suis avec Abuf. Et en fait, à chaque fois, je fais des tests. Est-ce que si je remplace le tacheté, le cauchemar, par un dolma, j'ai Truini? Est-ce que si je retire le dolma, j'ai Truini? Apparemment, oui. Donc, dans ces cas, je peux mettre un abyssal, parce que c'est ce qui me manque des fois. Donc, je module pas mal mes stuff. Et du coup, là, apparemment, ce qu'il fallait, c'est un cougnard. Donc, je mets le cougnard. Pas besoin d'ocre. Surge, c'est beaucoup ça. Hein. Surge, c'est en fonction du combat. Upper pense à place rongée serrée, oui. La phase de prep, elle est trop importante. Alors, Space Drip. Qui joue le Xel? 11-5. Bah, il se passe quoi, Space? Comment ça, 11-5? À ce level, on a déjà les items Xa. Upper 189 O, ça se joue en 3v3. Ça se joue plus facilement en 2v2 qu'en 3v3. Ça peut se jouer, mais c'est dans des configs où tu sais que ça va se jouer beaucoup sur la mêlée. Là, si je prends un upper haut, je risque de prendre cher. Ah, je propage l'épidémie. Vous savez que maintenant je deviens parano, hein. À chacun de mes moves, je me dis, putain, il faut pas que je propage l'épidémie. Je joue ma team sur ombre, mais perso, je les mets à 3 cases l'un des autres, les uns les autres. T'es bien, Uz, on est content. Cool ta vie, tu peux nous la raconter un autre jour, s'il te plaît. Ça, c'est bien Crying qui pourrait écrire ça. Avis sur Crying à chaud. Parce que là, je suis deg. On est mort des mains de Whispers. Ça la fout mal. Malgré son hypocrisie, j'aime bien Crying. On joue sacré en ce moment, joue stuff, quel plaisir, bordel, je vais regarder Shijo. Mais attends, Shijo, t'as un très gros problème avec la pump à l'arc, toi. Hein. Je vais vous montrer après, mais. Là, Shijo, c'est pathologique. Hein. Pas la PO pour fausse. C'est pas fausse commune. Donc on va se faire massacrer par un Xel en 11-5. C'est ça que t'es en train de dire, Abuf? Parce que, j'ai pas la portée pour fausse. Je peux pas fausse. J'ai pas la portée pour fausse.
sûr que si. Alors, empreinte instant, ça les tendances à trop facilement oublier. Tac. Pourquoi il y a une ruine là-dessous? Poker suprême. Poker va être déçu, vous êtes prêts? Ah purée. Il va pas être si déçu que ça. Il soigne. Bon après ça va, on a un petit peu le shield. Mais Space Drip, c'est un Xelor. Lui, il peut m'embêter. J'espère qu'il va se focus toi, Buff. Il est là. Bien joué, Jamas. Oh, merci, Legends. Le joueur Sadi qui offre un sub à le pirate. Merci beaucoup. T'as fait une vidéo pour dire que le permage le perso le plus puissant se confirme. Non, c'est pas le plus puissant, c'est le perso le plus polyvalent. Avec lequel tu peux tout faire. Actuellement, le perso le plus puissant, c'est peut-être le SRAM, non? Multiméta, hein, toute méta confondue, tout mode de jeu confondu. Le SRAM en 5v5, par exemple, ça pue la merde. Et on parle en colis. Il me paraît pas de KTA. Salut Rispers. Ok. Alors c'est quoi la logique des choses? La logique des choses, c'est d'aller tuer Poker Suprême. Ah purée. Il est très fort. Ok, il a trouvé à Buff. Donc moi, il faut que j'aille tuer Poker. Comme ça, le Xel ne tue pas Abuf, et Abuf tue le Xel. En théorie, c'est ça. Ok. Lui, il est mort. Ah! Je vais one-shot Nunu. Ah ouais, c'est, si t'arrives à one-shot Nunu, c'est top. Il a des malus réécrits, le Nunu. Ah, et c'est un Xel O. Ah, mais putain, Space Trip. Mais ça fait 15 ans qu'il est niveau 195 et qu'il nous fait chier, lui. Mais purée, c'est pas vrai. Il joue toujours son mode de cancer qui est pas capable de concrétiser les kills. Oh, c'est trop. Arrêtez de faire ça. Jouez terre. Jouez terre, l'Exelor. Non, pas terre, forcément, mais pas haut, en tout cas. Oh, purée, le coup de douillette. 1400, le coup de douillette, hein. Net d'impôt sur un 14% S, 29%.
Oh, il a pas tué. Mais tu sers à quoi, Buff? T'as pas calculé la deuxième ligne des douillettes sur son ivoire? Du coup, moi, je crève. Tu te retrouves avec 5 PA tour prochain. Et on crève. No crit. C'est vrai qu'il a pas fait un full crit. Alors que c'est quoi pour du moins 2000? C'est la surcharge runique. Rion de la buff. Rion de la buff, vite fait. Est-ce que j'ai un jingle, ce rire? Ah, merci. Merci pour ce rire, à buff. En fait, quand ils arrivent sur ce live, c'est bon. Qui allons-nous harceler de la communauté maintenant? Et t'as failli te faire turn? Bah, il s'est fait turn en fait. Voilà. Ah, Buff, il s'est fait turn par un Xel au retrait, le chat. Ouais, le Xel, il a commencé son tour pour retirer des PA et il lui a retiré sa vie. Oh la vache, ah, Buff, toujours aussi drôlesque.